Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance qui reste du général. Soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, soit par petits passages. Et puis finalement, si rien ne te parle, eh bien, écoute, je t'invite à quitter cette guidance. Il y en aura d'autres pour toi. Ok? Bien entendu, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privé, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedoré@hotmail.com. Je te le rappelle ici, il y a deux formules. Il y a une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Bien entendu aussi pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir différents renseignements sur l'hypnose régressive qui dure de 1h30 à 2h via le site Skype par une opératrice et la télépathe qui est moi-même. Si vous voulez plus de renseignements, bien entendu, cela est possible, mais bien me spécifier que vous êtes ici simplement pour une demande de guidance ou bien pour l'hypnose, d'accord? Voilà les amis, eh bien écoutez, on y go, j'ai pris l'oracle Métatron ici et on va aller voir les messages qu'on aura aujourd'hui pour toi. Alors, je ressens rien de particulier là, je ressens rien de particulier, il y a simplement famille, j'entends, famille, la famille. Alors bon, ça peut être tout et n'importe quoi la famille, hein. Ça peut être ta famille, hein. Ça peut être la famille de ton autre. Ta propre famille que tu as créée, ou ton autre a créé, voilà. Est-ce qu'on est bloqué? Est-ce qu'on est formaté? Est-ce que bah, on n'arrive pas à bouger parce qu'on a une conviction que c'est le lien du sang? Bon, bref, hein, voilà, j'ai ça. Ok? Allez, on y go, let's go. Ici, on a le cosmos, votre reflet. Bon, bah, tout simplement, déjà, ici, on te dit la personne à qui tu penses a des effets de reflet sur toi, c'est-à-dire que tu as cette sensation que vous êtes les mêmes, hein. Vous avez les mêmes ressentis, vous avez les mêmes façons de faire, ou du moins, hein, vous avez toujours senti cette connexion ou cette appel à l'un à l'autre de vous voir, de communiquer, de dialoguer, de se connaître au mieux en tous les cas, ok? On te dit ici aussi, ce que je ressens, c'est quoi? C'est que ce reflet n'est pas anodin, ce reflet est maîtrisé par là-haut, l'univers, hein, tout ce qui est magique, tout ce qui est énergie qui va avec forcément, hein, et c'est eux qui sont à la commande de cela finalement, ni toi ni ton autre, même si vous pensez que c'est ton autre qui contrôle ou c'est toi qui contrôle ou qui bloque ou etc etc, ce n'est qu'une illusion, hein. Dis-toi bien que même si tu as la sensation que c'est ton autre qui a bloqué ou qui a fouillé quoi qu'est-ce, en règle générale, la première chose à se dire, c'est que c'est l'univers qui a les clés en main, c'est l'univers qui a les effets de votre situation, hein. Donc ce n'est pas à vous de contrôler, même si tu penses que c'est toi ou l'autre qui contrôle, non, hein. Bien entendu, il y a des choses qui se mettent en place et des fois, hein, vous tenez tête, donc voilà, c'est assez compliqué, mais en règle générale, c'est l'univers, hein, selon tes croyances, qui règle tout, qui gère tout au niveau de ce futur lien. Et puis ici, nous avons la conclusion. Vous êtes soutenu, hein. Donc, on te dit ici, pas d'inquiétude, hein. Il y a la clarté qui arrive à toi. Il y a l'abondance qui arrive à toi. Bien entendu, à un moment donné, possiblement, vous vous sentez seul. Vous vous sentez bête aussi, ce que je ressens. Mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes soutenu par l'au-delà. OK? Pas d'inquiétude. Cette relation aura bel et bien lieu ici. Et il y aura un lâcher liberté. Vrai entre toi et cette personne. Attention, je te le répète ici, c'est des guidances générales. Hein. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Surtout, toutes les guidances que je fais ne sont pas les mêmes et celle-là peut te parler et celle de TikTok ne va pas pouvoir te parler, tu vois, ou celle de TikTok va te parler, mais celle-là, non. Attention, hein. On écoute toujours son cœur et son âme. Ici, on a la carte 12, on a l'évaluation et le bilan. Donc pour moi ici, ce que je ressens, hein, excusez, il y a vraiment une intelligence ici qui va être prise en conscience,
De faire un bilan, ok, très bien. De aussi faire une synthèse depuis que tu as connu cette personne, de tout ce qui s'est passé, de comment tu t'es amélioré, de comment tu as avancé, de comment tu as évolué. Et dis-toi que tu en ressortiras, pardon, grandi. Ça, c'est une évidence. Mais dis-toi que de toute façon, c'est inscrit, hein. C'est inscrit ici, le lien qu'il y a avec cette personne, c'est inscrit. Même s'il y a du retard, même si ça bloque, même si c'est pas encore là maintenant, tu auras cette intelligence, je le répète, avec une grande conscience, déjà de rétablir de tout ce qui s'est passé depuis ce ressenti avec cette personne, et déjà de voir l'immense travail que tu as fait sur toi. D'accord? Et cette personne, dans tous les cas, elle le fera aussi, hein. Pas de la même façon, peut-être pas au même temps, mais elle le fera aussi. Allez, des messages clairs, précis, just. Alors ici, nous avons la carte 34 et nous avons les ancêtres. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous avons les ancêtres. Pour moi, il y a un défunt ici qui est présent, qui vous aide, hein, à vous retrouver, qui vous aide dans vos épreuves aussi, hein, c'est important. Mais il manque d'ancrage, ou il manque de se poser et de réfléchir en fait ici, hein. Alors ça peut être toi ou ça peut être l'autre. Hein, on te dit, lâche prise, ça sert à rien. T'as envie de faire quelque chose, tu vas le faire. Tu veux aller voir quelqu'un, tu y vas. Je veux dire, pourquoi te contrôler? Ça sert à quoi de contrôler? Ça sert à rien. Ça te sert à quoi avoir des peurs, à te faire mal au crâne, et puis en plus ça, après peut-être avoir des regrets. Ok? Ben oui, l'appel à l'éveil. Écoutez et prenez en compte. Écoute ta voix intérieure. Écoute ta voix intérieure. Écoute tes ressentis, et surtout, ne va pas dans le même sens que l'ego, hein. Parce que bien entendu, j'en conviens, entre toi et cette personne, il y en a un des deux, et en règle générale, ça se passe toujours comme cela, qui a fait beaucoup de choses, qui a été très avenant, avenante, qui a fait comprendre les choses, qui a voulu faire les choses, qui est toujours là au niveau, prendre des nouvelles, etc. Mais là, il est temps aussi de mettre l'ego de côté et de ne pas être frustré. Donc, on met l'ego de côté et on arrête avec la frustration et on lâche prise. Et viendra quand viendra la chose, ok? La situation. Pourquoi? Parce qu'ici, on a l'or, carte 16, coupe de ravitaillement. Tu vois, les énergies vont se remettre en place. Et je ne sais pas si tu le vois ici, nous avons le 8, l'amour inconditionnel. Il y a un revitaillement, il nous marque ici, mais moi ce que je ressens, c'est un revitaillement, mais d'énergie, un regain d'énergie au niveau de cette personne et de toi, et à laquelle, là, c'est quelque chose qui sera surpuissant, qui sera authentique, et qui, selon moi, vous pourrez commencer votre relation. Pourquoi? Parce que c'est l'or, ok? Et puis, on a aussi la clé, on a la clé, on a la clé, on a un pont, on a des choses à passer. C'est comme si toi ou ton autre, vous êtes posé des limites, des barrières par rapport l'un à l'autre, et je trouve cela très dommage. Parce que l'abondance vous attend, le changement d'abondance vous attend, l'état de bien-être vous attend, mais il y en a un des deux qui est encore en énergie de dualité, et encore du travail qui doit être fait au niveau de son amour à proprement dit pour soi. D'accord? C'est quelqu'un aussi qui a eu très très peu de soutien émotionnel, je ressens, et c'est quelque chose à laquelle, si dans sa famille qui est encore proche, ou sa propre famille qui a créé, il y a toujours cet aspect émotionnel, c'est ça qui bloque. Ça s'appelle de la dépendance. Ici, on a le karma. Il faut retirer les nœuds. Il est important de retirer les nœuds. Il est important de débloquer, de couper ou dénouer, hein, finalement. Mais ça, hein, ça va être les ancêtres, tes défunts qui vont réussir à vous le faire, à vous aider. Hein, tout seul, vous n'y arriverez pas. Ça, c'est une certitude. Et puis, nous avons la communication. Nous avons la communication qui est, selon moi, avec la bouteille qui est achetée à la mer et qui est toute seule, qui est isolée. Pour moi, la communication n'est pas là. La communication n'est pas fluide. Bien au contraire, elle est inexistante. Et ça pose problème.
D'accord? Il est important ici de dévoiler sa parole, mais franchement. Hein, si tu n'as jamais osé dire les choses clairement, fais-le, je t'invite. Bien sûr, ne te force pas, mais hein, si tu as du doute, voilà. Hein, parce que je ressens qu'ici, il y a vraiment l'effet isolement entre toi et cette personne qui perdure et qui commence à être dur. Et puis, on a le lilas, plan supérieur et magie. Donc ici, pas d'inquiétude, hein, il y a les plans. Il y a le flot de l'univers, les plans de l'univers qui sont derrière toi, hein, à laquelle, même s'il y a quelque chose qui a été mal fait, ou il y a les plans derrière toi, donc ils arriveront toujours à rectifier certaines choses que tu as mises en place et qui, selon eux, hein, peut-être à rectifier et pour t'aider dans cette vie terrestre aussi. C'est tout ce qui est magique. Ici, il y a un amour inconditionnel et ce n'est que magie. Pourquoi contrôler? Pourquoi bloquer? Parce que il s'agit que de magie et de rencontres et de état d'être en fait. Hein? Allez, y a-t-il un message? Est-ce qu'il y a encore un ou pas avec celui-ci? Et puis ici, nous avons le bilan et la réflexion. Bon. Voilà, bilan et réflexion. Là, il était nécessaire que quelqu'un prenne plutôt, bon, moi pas bilan parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais plutôt le repli. Le repli, il y a une énergie encore une fois de plus, c'est lourd, instable, très très dans une situation inconfortable de gérer la famille si on a une et toi. Mais voilà. T'es quelqu'un qui l'appelle, t'es quelqu'un qui attire, t'es quelqu'un qui... C'est comme si tu avais un pouvoir alchimiste sur elle ou lui, d'accord? Et en dos de deck, on a quoi? Ah, pont en arc-en-ciel, Métatron, toujours ouvert. Donc dis-toi, pour ceux et celles aussi qui s'inquiètent, de dire mince, le temps est passé, comment cela va se passer, etc., etc. Dis-toi que le pont est toujours ouvert, la porte est toujours ouverte. Donc il y a toujours une possibilité, même si tu te dis ah non maintenant c'est trop tard, le temps est passé, ceci. Non. Moi pour moi ici le pont est toujours ouvert, tu as une nouvelle opportunité avec cette personne. Après c'est à vous de savoir si vous pouvez actionner ou pas les choses ou cette personne va actionner pour vous, hein, un déplacement etc. Ok? C'est plutôt bien je trouve ces messages. Alors, on va les voir ici. Tiens on va aller prendre les arcanes jumeaux là. On va aller voir ce qu'ils nous disent. Attendez, je vais boire un coup, les amis, parce que j'ai la gorge sèche. Et je vais encore avoir une toux. On va aller voir ici avec, voilà, hein, c'est les arcanes jumeaux. Est-ce qu'il va se débloquer d'une famille qui le tient, qui le retient? Moi, c'est ça, hein, il y a une famille qui le retient, là. Famille qui retient, alors c'est peut-être une famille, papa, maman et tout ça, et puis on n'a pas envie de dire honnêtement ce qui se passe. Ou bien une famille qu'on a créée ici, hein, et on est en retenue à cause de ça, là. Ok? Allez, on y go, let's go. S'il te plaît, des messages clairs, précis, pour aller en continuité. Alors, n'hésite pas hein, de liker, de partager si tu tiens à me soutenir sur ma chaîne et mon travail. Et puis, laisse un commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Ici, nous avons l'ermite. Nous avons l'ermite. Ça m'étonne pas. Nous avons l'ermite à laquelle, tu vois, il lève le bras quand même en l'air. Et moi, ce que je ressens, oui, t'inquiète pas, tu as la lumière en toi, tu as l'étoile, mais l'étoile, pour l'instant, t'es, elle est bloquée, elle est enfermée. Donc, son étoile, l'autre partie d'étoile qui est ton autre, ici, bien entendu, vous allez pouvoir vous retrouver, mais pour l'instant, t'es, elle est bloquée. Et elle est bloquée, pourquoi? Ben, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'entendais la famille, ok? Et puis ici, nous avons la tempérance. Nous avons la tempérance, donc pas d'inquiétude, même s'il y a du retard ou une mise en pause au niveau de votre situation et surtout au niveau de votre autre ici, c'est tout simplement pour qu'il y ait un mode tempéré hein, entre toi et cette personne, entre l'or et l'argent, l'argent et l'or. Hein, il y a vraiment besoin de tempérer les choses entre toi et cette personne au niveau peut-être aussi caractère, peut-être au niveau aussi... comment dirais-je? Identité, hein?
vraiment tempérer les choses. En tous les cas, il y a des signes ici. Hein. On a le signe ici en animal, regardez. Hein. Donc, pour ceux et laquelle ça vous parlera, il y a des signes. Alors, possiblement que le signe, c'est un signe. Hein. Voilà, je ne sais pas où vous habitez, mais pas d'inquiétude. Si tu vois un signe à la télé, en dessin animé, en film, quelqu'un qui vient vers toi et il a un pull et sur son pull, il y a un signe, ou alors une breloque, un pendentif, un tatouage, voilà, une image, une photo, peu importe. Hein. Le signe, ça sera ton signe. Et c'est quoi? Jeu de mots. Et c'est quoi? C'est doublon. Et là, on parle de quoi? Toi et ton autre. Voilà. Hein. Comme ça, les choses sont claires. Vraiment, l'arc-en-ciel, ou si l'arc-en-ciel, c'est tout ce qui arrive. Donc, la positivité. Et on te parle encore du pont ici. Hein. Effet miroir quand même au niveau des ponts, là. Hein. C'est-à-dire qu'ici, on est en train de transférer un petit peu l'énergie de toi à ton autre et ton autre à toi, ici, pour que finalement, on soit prêt en même temps pour cette nouvelle opportunité de passer ce pont. On continue de ce qu'on a déjà mis message, s'il te plaît. Alors, ici, ah bah, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nous avons le pendu, donc c'est bien, bel et bien ça, c'est quelqu'un qui est bloqué, qui est en mode pause et qui est... moi, selon moi, voilà. Et tu vois, il y a de l'argent qui tombe. Selon moi, c'est ça. Hein, c'est par rapport à la famille, par rapport à une force de culpabilité qui le retient, qui la retienne, hein, selon la polarité qui t'intéresse. Et c'est quelqu'un qui a apeuré de tout cela, d'accord? De laisser une famille et apeuré de vivre que de ce que il ou elle ressent vis-à-vis de toi. Et c'est quelque chose qui ressent que ça sera la liberté, mais en plus de ça, ça sera le vrai amour. Ça sera vraiment le partage. Ça sera quelque chose de très sincère. Hein. Donc, ben quoi? On contrôle. Et puis, on a le monde. On a le monde, toujours avec l'étoile ici. On a le monde. Le monde est une carte très, très positive qui fait que ne t'inquiète pas. Pour l'instant T, c'est en pause, en retrait. On bloque, du coup, surtout pour l'autre. Mais ensuite, il y a le monde qui arrive. Le monde, c'est le succès. Il y a la réussite au niveau des communications, de la retrouvaille entre toi et cette personne. Il y aura un meilleur équilibre entre la lumière et l'ombre, d'accord? Et en plus de ça, vous allez réussir à avoir un état de bien-être mutuel et à prendre et à croquer la vie à pleines dents. Hein, pour moi, le monde, c'est aussi l'extase, c'est aussi l'unité, c'est la joie, la bienveillance, le partage, la solidarité. C'est vraiment, voilà. Et je ressens vraiment en connexion de se mélanger et de faire les choses l'un pour l'autre et toujours avec joie ici. Hein. En dos de deck, on a quoi? En dos de deck, on a la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse avec l'empereur. Ben voilà, on va prendre ça et le fou. Ouais, merci. Parce que pourquoi ici, hein? Tu vois, l'empereur, il est là. Il a la clé dans ses mains. Donc, il essaie de contrôler. Hein. Avec la main, on contrôle. On est au mouvement avec la main. Donc, il contrôle. Et là, on a la grande prêtresse qui a la même clé. Je sais pas si tu vois, qui a la même clé. Mais qui l'est au niveau de, en pendentif. Et pendentif, ça veut dire quoi? Bah, tu lâches prise. Donc, selon moi, consultante, vous lâchez prise, mais c'est encore l'empereur qui contrôle. D'accord? Qui contrôle, qui veut pas se laisser, qui veut pas se lâcher aller. Laisser aller. Pardon, je vais y arriver. Lâcher. Oh, jeu de mots. Voilà. Mais, toi, il y a un effet que tu gardes le silence et tu gardes le secret. Parce que j'ai cette sensation toujours avec la couleur bleue, l'énergie positive, amour, peut-être même en connexion avec certains arbres, toucher les arbres, c'est ce que je fais. Tu sais déjà ce qui se passe avec cet autre. Tu sais qu'il y a une connexion avec la couleur violet, le chakra coronal. Tu sais qu'il y a la télépathie. Tu sais qu'il y a la demande entre vous. Hein, mais c'est l'autre qui contrôle toujours avec cette poigne. Mais pas d'inquiétude. Hein. On voit bien qu'ici, il y a le fou, il y a le zéro, il y a le magicien. Donc ici, on aura un côté un peu écoute de soi, d'enfant intérieur et de se laisser aller. C'est plutôt pas mal, mais voilà. Et puis, il n'y aura plus du tout de contrôle. Donc, c'est quand même l'autre hein, qui est pénible. Hein. Puis tu vois, on a encore ici l'hiérophant, donc la sagesse et le retard, la pause. Ok? Allez, on va aller au niveau des breloques. Et les petites cartes. Allez, on touille, on touille, on touille. Et je prends un peu là.
Bon, ouais. Alors. Oh là là, puis là, c'est mélangé, vous voyez. Ouais. Donc, vous voyez. Regardez, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Vous voyez, il y a la chaîne. Bon, on va le faire après, ça. On va déjà passer les cartelettes. Ouais. Allez. En cartelette, nouvelle grossesse. Alors, bien entendu, pour ceux et celles qui veulent une nouvelle grossesse avec ce partenaire, ce nouveau partenaire, ça se fera selon ta situation, bien entendu, et l'âge, etc. Mais pour d'autres, effectivement, c'est vraiment un nouveau départ. Une nouvelle grossesse, un nouvel départ, c'est quelque chose qui est en gestation ici. Mais regarde, on a encore ces fameux peurs. On a encore ces fameux peurs, mais il y a quelque chose pour cet été. Hein, il y a quelque chose pour cet été, on verra plus tard. Ici, nous avons la lettre Q, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Et nous avons la lettre X, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Alors, c'est fou, mais il faut le dire quand même, c'est très rare qu'on a ces lettres, ok? Et puis, nous avons le chiffre 2 et nous avons le chiffre 6, d'accord? Donc, c'est chiffre 6 ou chiffre... Oui, c'est chiffre 6, pardon. Donc, écoutez, moi, selon moi déjà, avec... les lettres, ici, le Q et le X, qui est très, très rare qu'on les sorte. Vous pourriez éventuellement voir souvent la lettre Q ou X. D'accord? Il y a quelque chose ici. Hein. Et puis, ici, il y a des personnes, peut-être que vous êtes né en 1962, année de naissance, hein, 62, d'accord? Il y en a qui ont 62 ans ou 26 ans. Il peut y avoir 2 à 6 ans de différence, mais en tous les cas, rassemblés, il y a l'amour inconditionnel quand même, donc peu importe, ok? Il est possible que dans ton numéro de téléphone, tu aies plusieurs, le chiffre 26 ou 62, 62, 62, 6, 6, 6 ou 2, 2, 2, 2. Hein, les heures miroirs, comme d'habitude, pour ne pas changer, peuvent être de 6h06, 6h06 ou 0,16, 0,26, 0,1 en seconde, en minute, en heure ou 2h02, 2h22, 2h32, 42, etc. Il est possible aussi que vous fassiez partie du chemin de vie numéro 2, numéro 6. Je te rappelle aussi le numéro 6, c'est il est nécessaire de savoir se purifier et de retirer certaines peurs. Et le chiffre 2, je te le rappelle aussi, c'est tout ce qui est au niveau d'une forme de richesse. Il est possible qu'actuellement qu'il te reste 26% de batterie, 62% de batterie, 6 ou 2% de batterie. Hein, il est possible aussi que tu voyes un numéro de série d'un code barre ou autre, 62, 62, 26, 6 ou 2. Tu as une puissance, une détermination en tous les cas qui va pouvoir se faire. Tu es quelqu'un qui est assez robuste. Peut-être une personne qui est née du département, pardon, le 26, le 62, le 6 ou le 2. Qui est peut-être née aussi du 2 du mois ou du 6 du mois ou du mois de juin ou du 2 ou du février, pardon. Et il se pourrait qu'il se passe peut-être quelque chose au niveau du 2 juin. Le 2 juin. À laquelle il y aura une forte sensibilité en toi. Eh ben ouais, ça fait longtemps. Oh ben, je sais même pas. Non. Je crois que je l'ai laissé à mon cabinet de voyance. Alors, attendez. Il est là ou pas? Eh ben si, il est là. Si, si, si. J'ai vraiment, vraiment eu un doute parce que j'en ai quand même laissé la dernière fois comme j'étais pressée. Allez, le numéro 26. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu là. Alors, il y a un message pour ceux et celles à qui ça parlera. 26. On te dit, des affirmations positives aident à améliorer rapidement votre situation. Les anges vous exhortent de ne penser et parler que de vos désirs et non pas d'affirmer vos craintes. Car elles ne sont que illusions, les craintes. Et le 62...
continue de croire que les détails de votre vie se résoudent de façon miraculeuse. Votre foi ouvre la porte à des miracles. Voilà les amis. Donc faites-vous confiance, c'est le plus important. Ok ? Ici, nous avons aussi un alignement, un équilibrage ici qui va pouvoir se faire entre toi et cette personne et à laquelle il y aura brillance. Là, je te rappelle ici, nous avons le soleil qui nous ramène la clarté, l'abondance, l'état de bien-être, la joie, l'harmonie et le succès, la réussite avec toi. Mais regardez, c'est quelqu'un, je te l'ai dit, qui était bloqué. Et regarde, c'est vraiment, il est bloqué dans sa joie de vivre, il est bloqué dans son harmonie, il est bloqué dans beaucoup de choses d'état d'être, d'accord? Et je te le dis, c'est quelqu'un qui le bloque, dont une famille ou sa propre famille qui l'a créé, d'accord? Pourquoi? Parce que regarde, on a à nouveau la bague. Donc pour moi, il s'agit qu'ici qu'on est bloqué par sa propre famille. En tous les cas, il y a bien un lien, d'accord? Et puis ici, on voit bien avec le cheval, on se retourne en arrière. Pour moi, c'est quelqu'un qui revient. Pourquoi? Parce que on a le cheval qui regarde en arrière. Pour moi, c'est quelqu'un qui va regarder en arrière et qui va se rendre compte que c'est toi, qu'il faut clarifier les choses parce que ça peut pas continuer comme ça. Et c'est quelqu'un qui se fait vraiment du mal, qui se bouffe de l'intérieur et qui se ronge les sangs. Donc ça, il est nécessaire quand même d'avoir un minimum de conscience, de dire, écoute, il faut qu'on règle les choses, ça peut pas continuer comme ça, il faut avancer. Voilà les amis, allez, on n'hésite pas à de liker, de partager, pourquoi pas, laisser un petit commentaire, nous allons prendre le bonus. Allez, générique. Bonus. Il est où le bobo? Il est où le nénis? Il est où le bonus? Il est chez nous. Le bonus signifie le miracle, les amis. Hein? Le bonus, c'est quoi? C'est le surplus. Hein? On croit toujours au miracle. On croit toujours au changement de situation aussi. Rapidement. Toujours en positivité. Allez, attends des messages ici au niveau du bonus, s'il te plaît, pour aller en finalité de cette guidance. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a un homme, donc selon la polarité, homme et foyer, maison. Donc c'est bien ça. Pour moi, clairement, précisément, cet homme-là, cette femme-là est bloquée dans son foyer. Ok? Alors, oh, comme ça, ok. Et ici, on dit oui, effectivement, il y a une répétition des schémas ici. Alors, peut-être que c'est un lien karmique dans le sens où aujourd'hui, vous devez débloquer la situation, mais de part de vie antérieure, il y a déjà eu des soucis quelconques, peu importe. Ici, on voit bien qu'il y a une connexion au féminin sacré. Et ça s'est passé sur un lieu de travail. Alors, soit au passé, soit au présent actuellement, ou alors au futur. Hein, pour ceux et celles où vous voyez pas qui c'est du tout et que tu regardes quand même ma guidance. C'est quelqu'un, en tous les cas, il y a une connexion de la part de la féminine qui a ressenti un lien fort, une alchimie forte et une connexion forte avec cette personne. Ok? Et puis, ici, bah, connexion au... Voilà. Voilà. Il y a eu quelque chose sur un lieu de travail au niveau des deux. Ok? Voilà les amis, merci infiniment de liker, de partager, laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit. Bien entendu les amis, on reste toujours dans une énergie de bienveillance, de paix, d'amour pour soi, mais en priorité pour soi l'amour. D'accord? Ça c'est très très important. Et ensuite, hein, autour de toi, hein, tu peux le propager et ça sera déjà x10 puisque toi-même, tu seras bien dans tes baskets, si je peux dire ainsi. Les amis, je vous dis à une prochaine vidéo pour une prochaine guidance. N'hésitez pas en tout temps de prier hein, pour nos animaux, hein, pour les SDF, pour les gens malades, hein, pour les gens autour de toi. Mais bien entendu, quand je vous dis ça, c'est toujours avec le cœur et l'âme et sans arrière-pensée. Donc, si tu n'as pas le temps à ça, dans le sens où toi-même, tu ne sens pas bien, ou pour, bah oui, bien entendu, tu ne vas pas le faire, que les choses soient claires. Mais voilà, hein, je compte sur ceux et celles qui sont en bonne énergie et tous ensemble, nos énergies vont se retrouver et nos belles paroles magiques, guérisseuses, vont se mettre en place pour ceux et celles qui en ont besoin. Je vous fais des gros bisous et je te dis à très vite. Ciao, ciao, ciao!